كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Les éditions Audio Sunna vous présentent un audio du Cheikh عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى dont le sujet est le rappel de la mort. Toute âme goûtera la mort. Et nous vous souhaitons une bonne écoute, Inch'Allah تعالى. عباد الله حدث عظيم وخطب جسيم جاء في كتاب الله عز وجل وورد في القرآن ذكره مرارا وتكرارا وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد له في فتور وتوان ذلكم عباد الله هو الموت وما أدراك ما الموت وما يكون بعده عباد الله والموت حدث عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه الحساب والنعيم أو العذاب Serviteur d'Allah, un grand événement. Une affaire majeure a été citée dans le livre d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Cette affaire a été mentionnée dans le Coran à plusieurs reprises. Mais beaucoup de gens sont inattentifs et négligents vis-à-vis de cet événement, paresseux et nonchalants quant au fait de s'y préparer. Cet événement, serviteur d'Allah, n'est autre que la mort. Cet événement, serviteur d'Allah, n'est autre que la mort. Et qui te fera comprendre qu'est-ce que la mort? Et qu'est-ce qui se passe après la mort? Serviteur d'Allah, la mort est un grand événement qui mène la personne vers la première étape de l'au-delà, la première demeure dans l'au-delà. Celui qui meurt, son jugement vient de débuter et il est soit voué au bonheur ou soit voué au châtiment. عباد الله والموت هو الفيصل بين هذه الدار
ودار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه. وبعد الموت عباد الله، ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار، وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار. وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استكثار، وفي باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار. فليس بعد الموت عباد الله إلا حفرة يدرج فيها العبد، تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبقى في هذه الحفرة إلى يوم القيامة، يوم ملاقاة العزيز الغفار. حدث عظيم، فأين الاتعاظ والاعتبار؟ فأين الاتعاظ والاعتبار والادكار؟ Serviteur d'Allah, la mort et la séparation entre ce bas monde et la demeure ultime, c'est la séparation entre le moment dédié aux œuvres, aux actions, et celui dédié à la rétribution de ses œuvres. La mort, c'est la démarcation nette, la ligne séparatrice entre le moment où on œuvre, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, et le moment où l'on obtient la rétribution de nos actions, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Après la mort, serviteur d'Allah, il n'y a aucune excuse pour personne. Nul ne pourra revenir sur terre. Concernant les hasanat, les bonnes actions, personne ne pourra les augmenter ou en rajouter une fois qu'il sera mort. Concernant les péchés, as-sayyi'at, nul ne pourra s'en repentir ou demander pardon à Allah une fois qu'il sera mort. Ainsi, serviteur d'Allah, il n'y aura après la mort qu'un trou vers lequel la personne sera conduite. Et ce sera pour lui soit un jardin du paradis, ou soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Et il restera dans ce trou jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la rencontre avec Allah le Tout-Puissant, le Sage. Aussi, véritablement, il s'agit d'un grand événement. Allons-nous en tirer des leçons, le prendre en considération et nous en rappeler? Allons-nous en tirer des leçons, le prendre en considération et nous en rappeler? عباد الله، والموت ملاق والموت مدرك كل عبد لا محالة، وملاقيه بلا ريب. أينما تكونوا، يقول الله تعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت. ويقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. عباد الله، والموت له أجل محدود وأمد معدود،
فإذا جاء الأجل فلا استئخار عنه ولا تقدم، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. عباد الله، والله جل وعلا وكل بالموت ملك واحد، وكل إليه قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولهذا الملك أعوان من الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال جل وعلا: توفته رسلنا. Serviteur d'Allah, la mort atteint tout le monde. La mort frappe tout le monde, sans exception. Et tout le monde aura affaire à elle. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Allah, le Très-Haut, nous dit dans le Coran: Aynama takunu yudrikkumul maut. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Et Allah nous dit également: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ainsi, quand arrive ce grand rendez-vous, quand la vie arrive à son terme, il est impossible de retarder ou d'avancer cette échéance. Allah nous dit dans le Coran: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et Allah le Très-Haut nous dit aussi: لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Chaque échéance a son terme fixé. Chaque échéance à son terme prescrit auprès d'Allah. Serviteur d'Allah, Allah le Tout-Puissant a chargé un seul ange de s'occuper de la mort. Sa mission est de retirer les âmes. Allah nous dit dans le Coran: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَّ بِكُمْ. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Et cet ange est aidé par d'autres anges. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son Coran: الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ. Ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. Et Allah nous dit également: تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. Nos messagers, les anges, enlève son âme. عباد الله، والموت لا يفرق بين صغير وكبير وذكر أو أنثى وبين مريض وصحيح، فقد يدخل الموت إلى البيت ويكون فيه رجلا مسنا وشخصا آخر مريضا، فيأخذ من البيت أصح من فيه، فلا يميز الموت بين صغير ولا كبير، ولا علم لأحد بنهايته ولا أجله. فالعلم بالموت أمر مغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا قد يقرر بعض الأطباء عن شخص مريض اشتد مرضه بأنه قد قربت منيته ودنا أجله،
فيكتب الله عز وجل للمريض حياة وللطبيب موتا، فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. Serviteur d'Allah, la mort ne fait aucune distinction entre le vieux et le jeune, entre l'homme et la femme, entre celui qui est en bonne santé et le malade. Il se peut que la mort pénètre dans une maison abritant un homme âgé et un autre malade, et qu'elle prenne dans cette maison celui qui est en meilleure santé. Ainsi, la mort ne fait pas de distinction entre le jeune et le vieux, et nul ne sait quand aura lieu sa fin. Nul ne connaît la durée de sa vie. La connaissance de la mort fait partie du domaine de l'invisible que seul Allah, l'immense, le Très-Haut, connaît. La connaissance de la mort fait partie du domaine de l'invisible que seul Allah, l'immense, le Très-Haut, connaît. C'est pour cela qu'il se peut qu'un médecin affirme à un homme dont la maladie a atteint son point culminant, dont la maladie a atteint son paroxysme, il se peut qu'un médecin affirme à cet homme que sa mort est proche et que son heure est arrivée. Mais Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a décrété la vie pour cet homme, pour ce malade. Et il a décrété la mort pour ce docteur, pour ce médecin, et c'est lui qui meurt au final. Donc on voit que c'est une chose qui appartient à Allah seul, du début à la fin, de A à Z. عباد الله ومن مات فقد مات بأجله وفارق الدنيا بما كتبه الله جل وعلا له في علمه الأزلي وبما كتبه في اللوح المحفوظ وبما أمر به الملك أن يكتبه على الإنسان وهو في بطن أمه أيًا كانت صفة موت الإنسان، سواء مات بحرق أو مات بغرق أو مات بقتل أو مات بأي حتف كان، فموته بقدر الله، وموته هو أجله الذي أجله الله له. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Serviteur d'Allah, celui qui meurt ne meurt que parce que son heure est arrivée. Il quitte ce bas monde de par ce qu'Allah lui a prédestiné par sa science éternelle, et comme il l'a inscrit dans les tables préservées, et comme il a ordonné à l'ange de l'écrire pour l'humain alors que celui-ci se trouvait dans le ventre de sa mère. Et ce, quelle que soit la façon dont il meurt, et ce, quelle que soit la façon dont il meurt, qu'il meure brûlé, noyé, assassiné ou par toute autre cause, sa mort aura été prédestinée par Allah. Sa mort ne surviendra qu'au terme qu'Allah lui aura prédestiné. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. عباد الله، هذا الحدث العظيم عندما يكون العبد في ذكر الله فإن هذا يبعثه إلى الاستعداد والتزود ليوم المعاد. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا
ذكر هادم اللذات يعني الموت. فإذا كان العبد على ذكر للموت صلحت حاله وحسنت صلته بربه وقوي استعداده لملاقاته سبحانه. Serviteur d'Allah, ce grand événement, quand l'adorateur se le rappelle, cela l'amène à se préparer et à s'approvisionner pour l'au-delà. Il est rapporté dans un hadith authentique, dans un récit prophétique authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akthiru dhikra hadhim al-ladhat » « Remémorez-vous fréquemment celle qui met un terme aux délices. » Remémorez-vous fréquemment celle qui met un terme aux délices, c'est-à-dire la mort. Ainsi, quand la personne se rappelle de la mort, son état s'améliore, son lien avec son Seigneur se bonifie et sa préparation à la rencontre de son Créateur, subhanahu wa ta'ala, s'intensifie. Sa préparation à la rencontre de son Créateur, qu'il soit glorifié et exalté, est plus grande. عباد الله ويأتي على الموت نفسه زمان ويأتي على الموت نفسه زمان يذبح فيه الموت فيكون الأمر بعد ذلك للجميع حياة بلا موت. ففي الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح ويوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم نعرفه هذا الموت لأنهم كلهم قد رآه. وينادى أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت لأنهم كلهم قد رآه. فيذبح بين ناظري الجميع بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة أي في هذه الحياة الدنيا عن الموت وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Serviteur d'Allah, il viendra un temps où la mort elle-même sera exécutée. Après quoi, cela sera pour tout le monde une vie éternelle sans mort. Il a été rapporté dans les deux recueils de hadith authentiques des imams al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La mort sera ramenée entre le paradis et l'enfer au jour de la résurrection sous la forme d'un grand bélier. » Et un annonciateur criera « Ya Ahl al-Jannah, ô gens du paradis !» Et ils se dresseront pour mieux voir et le regarderont. Il leur dira « Savez-vous ce que c'est ?» Ils répondront « Oui, nous la reconnaissons, c'est la mort !» Car elles auront déjà eu affaire à elle. Ensuite, l'annonciateur criera « Ya Ahl al-Nar !»
aux gens de l'enfer. Ils se dresseront pour mieux le voir et le regarderont. Il leur dira, « Savez-vous ce que c'est ?» Ils répondront, « Oui, nous la reconnaissons, c'est la mort. » Car elles auront déjà eu affaire à elle. Alors, il l'égorgera et dira, « Ya ahl al-jannah, ô gens du paradis, à présent ce sera une vie éternelle, sans mort. » Et il dira, « Ya ahl al-nar, ô gens de l'enfer, à présent ce sera une vie éternelle, sans mort. » Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité ce hadith, se mit à réciter le verset suivant. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. Avertis-les, ô Muhammad, du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce bas monde inattentifs à la mort. Et Allah nous dit également dans le Coran, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Alors qu'ils sont dans ce monde inattentifs et qu'ils ne croient pas. عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن في ذكر العبد للموت منفعة عظيمة وفائدة جليلة إذ بذكره تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة ويحسن إقبال العبد على الله وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله. عباد الله، يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة عظيمة لا بد أن ندركها وخطب جسيم لا بد أن نستحضره. سبحان الله. Craignez Allah par le fait d'obéir à ses ordres et par le fait de s'écarter de ses interdits. Et sachez qu'Allah vous préserve, que dans le rappel de la mort, il y a un immense bénéfice et un intérêt illustre. Parce qu'avec le rappel de la mort, les cœurs inattentifs se réveillent, les cœurs morts reviennent à la vie, la personne chemine vers Allah de la meilleure des façons, et disparaissent l'insouciance et le détournement des ordres d'Allah. Serviteur d'Allah, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre, « Kullu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tawaffawna ujurakum yawma al-qiyama, faman zuhziha anin nar, wa utkhila al-jannah, faqad faz. » وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Toute âme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Donc quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est une grande vérité qu'on se doit de bien saisir. C'est une affaire très grave qu'on doit garder à l'esprit et ne pas oublier. C'est une affaire très grave. C'est une affaire très grave qu'on se doit de garder à l'esprit et ne pas oublier. فأخذه إلى المقابر وقال له: أرأيت يا هذا، لو كنت مكان هؤلاء فماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا ثانية
لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. قال يا هذا أنت الآن فيما تتمناه. نعم عباد الله، نحن فيما نتمناه. نحن الآن نعيش في هذه الحياة بصحة وعافية وأمن وأمان، ثم يؤول الأمر إلى مفارقة هذه الحياة بحلول الأجل ومجيء الموت. ألا فهل من استعداد وتهيؤ؟ واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولو كان الموت عباد الله تاركا أحد لترك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. Un parmi les salafs a voulu un jour exhorter une personne. Il l'a donc emmené dans un cimetière et il lui a dit: regarde, si tu étais à leur place, que souhaiterais-tu le plus? Et la personne lui répondit alors: j'aurais souhaité revenir sur terre une seconde fois afin d'y accomplir des bonnes œuvres en plus que celles que j'avais déjà faites auparavant. Il lui dit alors: tu es en ce moment même dans ce que tu souhaiterais. Tu es en ce moment même dans ce que tu souhaiterais. Cela est vrai, serviteur d'Allah, nous sommes dans ce que nous souhaiterions si nous étions morts. Nous vivons à présent dans ce bas monde en étant en bonne santé et en sécurité. Puis, nous serons amenés à quitter ce bas monde quand notre terme sera arrivé et que la mort viendra nous prendre. Alors, allons-nous vraiment nous y préparer? Allons-nous véritablement nous préparer à ce grand rendez-vous? Et sachez que la personne intelligente, c'est celle qui dompte son âme et agit pour l'au-delà, tandis que l'incapable, le faible, c'est celui qui se laisse dompter par les vices de son âme tout en plaçant de faux espoirs en Allah. Et si la mort, serviteur d'Allah, si la mort avait dû épargner quelqu'un, elle aurait épargné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah le Très-Haut a dit: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, Muhammad, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Et nous demandons à Allah de purifier nos cœurs et de pardonner nos fautes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.